Et salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour ma Pâques. Donc Pâques hiver, donc qui commence avec décembre, janvier, février. On se refera une vidéo fin février, je pense. Donc déjà, je vais commencer par ces deux bouquins-là. Donc il y a le Mastic Mouse, Christmas et le North Pole Elf, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc ces livres-là, ben, j'ai commencé déjà le calendrier de l'Avent, là on est plus ou moins vers les deux tiers, et je vais les continuer. Voilà. Je vais les continuer tranquillement. Ils sont assez jolis. Voilà. Et on a celui-là. Il y en a qui sont faits. Je les ai commencés au mois de, no de décembre. Voilà. Des livres à continuer et à avancer. Ensuite, dans le format petit carré, dans le petit boule de poil, je vais me lancer. Donc, je vais continuer un petit peu ce livre. Voilà. Là, c'est dans la période, je ne sais pas trop ce que je vais faire comme colo. Mais par contre, c'est trop bizarre. Voilà. Donc à partir de cette page-là, donc la page hiver, on a plusieurs colos, ça va être sympa. Donc je ne sais pas trop lesquels m'inspireront sur le moment, mais j'aime beaucoup celui-là avec le petit cheval et le renne. Donc voilà, je verrai un petit peu ce qui me tente. Donc voilà, et tant que je suis dans Diane Dufour, c'est son nom, oui, hein, oui. Ça va. Mais bon, je me suis pas trompée. Tant qu'on est dans Diane Dufour, j'ai ce livre-là, le carré nature. Donc j'avais dit que je ferais un colo par mois dedans. C'est un peu raté là pour le mois de décembre et le. Enfin, voilà, le mois de décembre n'est pas encore terminé, donc c'est possible. Le mois de décembre et le mois de novembre, j'ai rien fait. Donc je me suis prévu cette page-là que je m'étais prévue déjà pour le mois de décembre. Donc il y a cette page-là qui me donne assez envie. Il y en a une autre, je sais pas laquelle c'était. Hop. Ah mais ça c'est un marque-page Calvin qui m'a fait. Je le trouve trop trop chouette. Il a juste un peu plié à cause du facteur qui est un gros connard. Et voilà, il y a celle-là aussi qui me plaît pas mal pour l'hiver. Donc on verra combien j'en ferai. Nous avons le petit carré sorcière. Donc dedans, je vais vous trouver où elle est. J'aimerais bien finir mes encours. Hein, j'ai des encours pour que j'avais commencé en novembre. Donc il y a cette page-ci qui m'intéresse pas mal pour février, la fête des amoureux. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième page. Voilà. Il y a cette page-là avec Joyeux Noël. Et si je la fais, ça me fait deux pages qui suivent dans le bouquin, ce serait pas mal. Donc Joyeux Noël, Merry Christmas. Je sais pas encore si je ferai un fond, si je ferai juste la couleur, mais voilà, c'est les deux colos pour le Petite Princesse. Ensuite, dans le Game of Thrones. Donc dans le Game of Thrones, il y a. Alors, j'aimerais bien faire cette page-ci avec Winter is Coming. Ça peut être chouette. En plus, ce sera un peu de saison. C'est totalement deux saisons. Et alors, il y a cette page-ci dans le groupe qui a été sélectionnée. Donc c'est la page. De la couverture et c'est sur enfin, c'est Cersei. Ça peut être sympa. Je sais pas encore les couleurs que je vais utiliser. J'ai une autre page à terminer encore dedans que j'ai pas encore fini. Donc voilà. Et oui, donc j'ai encore deux livres hors Disney. J'ai celui-là, le Fairy Tail. Donc sur Twitch, on m'a demandé de faire un tirage aléatoire avec des points de chaîne dans Buddy Colo. Et c'est ce colo-ci qui a été choisi. On se le fera celui-là en live à partir de janvier. Là, il y a des petits. D'avoir des trucs, le fond. Et du coup, ça pourrait me permettre de voir, en faisant le fond là, si l'aquarelle tient et si ça ne transperce pas. Parce que c'est du papier Gibb Smith. Et je ne sais pas du tout comment il réagit. Et ensuite, j'aimerais bien entamer mon Maison des Secrets. Mais je ne sais pas encore par quel coloriage. Parce qu'il y en a qui me donnent vraiment envie. Il y a vraiment des colos très fun.
Ah, par exemple, là, la petite. Enfin, tous les petits objets comme ça, je trouve très mignons. Il y a celle-ci avec les chouettes. Celle-là, elle fait très Harry Potter, je trouve. Avec, enfin, ça me rappelle un peu dans le livre d'Harry Potter, le passage où Harry se rend là où il y a, dans la tour où il y a les chouettes. Donc celui-là, ça pourrait être très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ben là, on a une petite cuisine, ça peut être chouette aussi. Je sais pas trop. Donc ce sera au feeling, mais je pense que je vais essayer de faire au moins une page dedans. Je sais pas trop. Oh, celle-là avec le dino. Oh, celle-là, elle est trop belle avec le dinosaure, le poisson, la plume. Il y a plein de petits éléments. Ça peut être très chouette. Donc voilà. Après, c'est mon premier Johanna Basford. J'aimerais bien juste le commencer. On verra bien. Alors, ensuite, pour le Disney. Bon, en Disney, j'ai mon petit carré portrait. Donc, le petit carré portrait, j'aimerais bien en faire quelques-uns. Je vais vite le feuilleter pour vous montrer lesquels. Alors. Où est-il? Ça, c'est la question à 5 milliards. Alors voilà, j'aimerais bien faire Elsa. Voir la double page, mais je suis pas sûre pour la double page. Elsa, en tout cas, elle me donne très envie d'être faite. Et il y en a un deuxième. Ça doit être dans les compagnons qui doit être. Où es-tu? Je suis sûre qu'il est dedans. Voilà, Olaf. Il y a Olaf. Et en plus, là, je viens de voir, il y a Sven. Peut-être que Sven, mais en tout cas, Olaf et Elsa, j'ai envie de les faire. Donc, en Disney, j'ai pas sélectionné beaucoup de choses. Ensuite, dans le Love Story. Ouais, c'est un livre que je trouve très joli. Et donc, ici, voilà. Cette page-ci avec la neige dans le fond, Daisy et Donald. Moi, ils me bottent bien. C'est dommage ça, par contre. Dire ça comme ça. Donc voilà, il y a cette page-ci. Et ensuite, dans les livres, dans le livre que j'aimerais bien entamer sur cette page, c'est le grand classique. Donc vous voyez, Knight m'a offert des, enfin m'a acheté les pochettes là de Magic Cover. Et donc j'ai mis. C'est un peu la galère hein, pour celui-là parce qu'il est plus large que les A4 légèrement. La Magic Cover. Donc je sais pas encore trop lequel aussi je pourrais faire. Je vais vite le feuilleter avec vous. Là, je n'ai pas du tout sélectionné parce que, bah, voilà. Alors, à ce qui paraît, le papier, il n'est pas ouf ouf. Et voilà, il y a cette page-ci qui m'intrigue, enfin, qui m'intéresserait pas mal avec tous les personnages de Mickey, Minnie, Donald et tout. Derrière, c'est une petite page, ça va aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, là, après, il y a celui de la Reine des Neiges, hein. Ça pourrait être chouette, mais j'en ai déjà sélectionné, donc je n'ai pas trop envie d'en. Enfin, je pense pas que j'aurais trop envie de faire de Reine des Neiges. Où est l'autre page que j'ai? Ah, celle-là, elle pourrait être chouette aussi. J'aime bien le dessin animé, donc ça peut être pas mal. Mais où est la page? Il y a une double page que je trouve trop trop chouette. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Ah, il y a cette page-là, elle peut être sympa aussi en plus avec les prismas, les chiens pourront être tranquilles. Mais c'est toujours pas ça. Bah, elle est où? Ah voilà. Il y a cette double page-là, moi, que je kiffe. Avec les chats et les chiens. Là, j'aime beaucoup. Et alors, il y a celle d'Alice au Pays des Merveilles, donc cette page-ci. Est très joli aussi. Donc voilà, je sais pas trop dans ce livre-là dans lequel j'irai. En tout cas, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait 11 bouquins pour 2 mois et demi, plus ou moins 3 mois. Donc voilà, j'espère que ma pack vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer si vous voulez faire un duo. Alors peut-être dans le livre, peut-être pas celui que j'ai sélectionné. Proposez-moi toujours, ça peut être chouette. Du coup, moi je vous fais plein de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!